sont à l'arrière, les mecs bien calés. Et... voilà. Et c'est la chaîne de l'espoir, les restos du cœur. Parce qu'à l'arrière, c'est tout plein, faut dire. On ouvre même pas le coffre. On ouvre une épicerie, hein, Fisco, là. Moi je conduis alors je peux pas je peux pas tout faire voilà. Et les bières elles sont calées aussi? Elles sont bien sûr, elles sont là. Non, d'accord. Pour le matin, réveil à la dure. Allez. Allez, on se lève debout. Fait pas top beau, mais c'est l'heure, allez, 7h du matin. Voyons voir l'autre personnel. Allez, allez, c'est parti. Ah, je suis mort. À fond, on peut voir que ça trace. Très bien, très bien. Bonsoir les crêpes, elles sont bonnes. Ça va. On passe la crème à la crêpe. C'est ça. Mm-hmm. Il y a un peu trop de crème. Là, voilà, les cuistots. Celle-là, tu l'as plus. Très bien. Et on va voir le Charlot. Ça se passe bien? Ouais, ça va. Ouais. T'as pas été un petit peu malade là? Ouais, non. T'as l'air un petit peu palo là? Ouais, légèrement. Allez, dis-le tout. Je suis en train de fabriquer des globules rouges, mais j'en ai pas encore assez. Il a posé une peau de renard il y a 5 minutes. Ok. Thomas. Oh, t'as tué ton copain, t'es content de toi? C'est lui qui m'a foutu dessus. Priorité sur les mecs du bas. Vamos!
acheté le sapin. Voilà, voilà. Niveau des œufs, ça se passe comment? Bon bah c'était Thomas hein, qui portait le sac, donc les œufs sont faits. Petit problème. C'est ce mot. Oh. Il avait un petit peu la pression, il y avait des nanas qui regardaient. Non, il débloque total. Well done, John, well done. Il n'y avait pas de nana pour regarder. Oh. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est alors, tu peux nous expliquer? Une superposition de strates magnifiques. À la marinière. Donc là, on commence par une strate de pommes de terre. Crème fraîche, lard, pommes de terre et fromage. Fromage raclette. Fromage raclette, mais violent. Là, de mettre ça. Ouais. Wow. Ah, juste à temps. Hein. Putain, le volcan. Yummy, yummy. Ah, c'est un bon moment. Délicieuse. Ouais, excellent. Ouais. Expérience scientifique niveau bac plus 5. On a enfermé des œufs dans une boîte. Les œufs. Waouh. Bien. Ah, ça va parce que. On constate, les trois derniers jours. Trois derniers jours, c'était tout écrabouillé, mais là, il y a eu. Alors Arnaud, qu'est-ce qui nous attend? Voilà, il nous attend que. Enfin, il y a surtout Charles qui nous attend parce que. Il s'est planté de route. Puis bon ben je pense qu'il y a qu'une chose hein, il faut se foncer. Hein. Allez. Petite page technologie, j'ai dans la poche un outil avancé de technologie, ça s'appelle un iPhone. Voilà, voilà. Un 4. Ça permet de mesurer la vitesse. Ah, 100.6 km/h. Le mur des 100 est passé. 100.6 km/h. Mon record de 98 vient de péter. Va falloir que ça se reprend un record. Hein, du air. Ce n'est pas fini. Donne-moi l'iPhone. Donc, le chalet. Tranquille les gars. Tranquille la mouette. Hein. Ça pourrait être pire. C'est ça. L'harmonie avec la montagne. Mon soleil là, s'il te plaît. Pardon. Oh,
aujourd'hui, 97. Donc, le recordman reste quand même notre ami Fred. Bravo. Médaille d'or. Voilà. Pour le séjour, bravo. Avec 100.6, le mur du 100 est passé. Alors Arnaud, on a joué toute la semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la semaine, j'ai essayé de faire partir la bagnole en dérapage, et le jour où on part, bah, on peut voir les traces là. Donc bah, je me suis pris le... C'était un beau 3-6 en fait. Arnaud sait pas le faire en ski, mais en 4-4 ça fait très bien. Donc, on a commencé à taper là, on a retapé là, et puis on va voir devant la voiture. Là on a kické sur la crête, paf, là il y a eu le grab. D'ailleurs Arnaud, tu vas à l'occasion de refaire parce que j'ai oublié les chars pour eux. Mais, comme on a de la chance, bon, voilà. On a juste plié la plaque d'immatriculation, quoi. Et voilà. Maintenant, il n'y en a plus. Bah, ouais.